Bonjour, Patrick de Bois-Quillange au château de Sennevières. Notre famille est là depuis la Révolution. On est en 1793 à ce moment-là, 7e génération, et je m'efforce avec mes frères et femmes et belles-sœurs à maintenir ce château dans le giron familial. Il a été classé par ma grand-mère en 1957. Et la contrepartie du classement, c'est évidemment d'être ouvert au public, ce que nous faisons depuis les années 60 à peu près, avec joie, et on accueille tout le monde avec le plus grand plaisir. Alors, à l'origine, ce château est ancien, il y a des mentions dans différents textes, à partir de 763, le duc d'Aquitaine qui se fait capturer ici par Pépin le Bref, qui descend de son Allemagne favorite. Et puis, on va construire, après, au moment du Moyen-Âge, on a bénéficié du savoir-faire acquis par les compagnons qui vont commencer par construire les cathédrales, puisque c'est les évêques qui avaient l'argent. Et on va avoir des artistes disponibles, des maçons, des charpentiers, des peintres. Et vers 1200 à peu près, on doit commencer à construire les bases du château que nous voyons actuellement. Il a été ensuite, au moment de la Renaissance, à partir de 1492, les Français, on va se promener en Italie, on découvre la Renaissance italienne qui avait démarré vers 1400-1420 et qui a donné quand même quelques très très beaux spécimens d'églises, de châteaux, de palais et surtout de décorations intérieures. Notre François Ier, vers 1515, va se trouver en Italie et va voir énormément de belles choses, notamment à Milan. Et il va pouvoir séduire Léonard de Vinci, qui va traverser les Alpes et venir en France, Val-de-Loire et le reste de la France, avec toute une colonie d'artistes qui avaient un souci majeur, c'est que, comme les plus grands travaux étaient terminés, en Italie, il y avait de moins en moins de contrats et de chantiers pour eux. Et donc, ce qu'ils avaient envie et besoin de faire, c'est retrouver d'autres contrats. Donc, c'est comme ça que vous allez voir un peu partout sur les façades, des colonnades, des cheminées, des fenêtres à meneaux, pardon, et puis à l'intérieur, des décorations avec des peintures, des tapisseries, une vieille bibliothèque assez importante qui montre l'état d'esprit et la curiosité et les connaissances intellectuelles de cette famille de Gourdon qui vit ici jusqu'en 1615. Et entre les Gourdon et mon ancêtre, en 1793, vit ici la famille de la Tour du Pin gouvernée. Le dernier représentant, c'est Jean-Frédéric, qui a été le dernier ministre de la guerre de Louis XVI. Et voilà le fil des propriétaires et la structure du château dans lequel je vous invite à rentrer avec nous. Alors là, on a au-dessus de la porte, on voit les traces de chêne juste au-dessus de l'arrondi de la porte. Il y avait ici un pont-levis avec des douves, c'est-à-dire pas d'eau, mais un fossé sec qui permettait de se protéger de l'entrée. Et au-dessus, le blason de la famille de Gourdon, qui a été donc pendant la plus longue période, propriétaire ici. Les feuilles d'acanthe qui sont classiques sur la Renaissance et qui vont décorer de très très nombreux châteaux. Je vous précède. Alors nous voilà dans le tunnel d'entrée, en dessous duquel se trouve une immense citerne d'eau naturelle, parce que en tant que militaire aguerri, les seigneurs de Gourdon savaient que, quelquefois, l'accès à la rivière du Lot, qu'on va voir tout de suite, nous était empêché par les ennemis, notamment pendant la longue période de la guerre de Cent Ans, où on a eu vraiment sans arrêt des raids. Le prince noir est venu jusqu'ici, ça tapait dans tous les coins, et donc il était important d'avoir son autonomie aquatique, je dirais, pour les équipages, pour les animaux, etc. Et alors voici le Lot, tel que je le vois tous les matins, tous les soirs, quand
On est là, la deuxième rivière la plus longue de France, 482 km, et qui vient du Mont-Lozère et du Cantal jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. Un exemple du petit village d'en face avec le château de Calvignac, qui était des copains, et puis de temps en temps on se tapait dessus pour s'occuper un peu entre deux bagarres et entre les moments un peu morts. Et alors voilà ce que j'évoquais tout à l'heure, la façade complètement renaissance, vous voyez ces colonnes, c'est du style toscan, et ça représente ce qu'on appelle en Italie les loggias, c'est-à-dire ces grandes maisons autour desquelles on fait des colonnades parce qu'on distribue, il y a tellement de pièces au milieu qu'on veut éviter d'avoir trop de corridors et trop de personnes qui rentrent avec les pieds remplis de boue parce que c'était un monde rural hein, partout. Donc voilà comment ça s'est fait. Et les fenêtres à meneaux qui vont vous donner à chaque fois ben, le signe qu'on retrouve dans la plupart des châteaux Renaissance, de ces fenêtres à meneaux, colonnades et clochetons, avec ces trois éléments, vous pouvez fabriquer tous les modèles que vous souhaitez partout en France. Voilà, alors on va aller faire un petit tour dans le rez-de-chaussée, les pièces les plus anciennes, les plus rigides, on va dire, et ensuite on va passer au grand salon. Venez avec moi. Oui, j'ai un petit bout de famille qui déjeune. C'est du live. On fait le passé. Avec le coronavirus, on peut faire revenir, ça serait une manière. Alors là, on est dans le bas d'une tour principale qu'on appelle la tour de Gourdon, qui depuis le fin du XIIe, début du XIIIe existe, avec, vous voyez, des structures lourdes, d'immenses cheminées comme partout. Ces châteaux étaient là pour accueillir tout le monde, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du blindage hermétique. On est ouvert parce qu'on a besoin de personnel. Et comme on est dans la vraie campagne, si votre chariot est cassé ou le pont ou le bac qui permettait de traverser le Lot a fermé, et ben vous êtes bien content de passer la nuit chez moi et on vous accueillera avec plaisir. Donc voilà ce qu'on a, vous voyez, avec quelques éléments de torture, on va dire, de justice aussi. Et puis, puisqu'on a envie, regardez ce petit casque à clochette qui servait à mettre les lépreux un petit peu à l'écart du circuit. Ça doit vous rappeler la période qu'on vit aujourd'hui avec la Covid, puisqu'on nous demande de porter nos masques et d'éviter de s'embrasser. C'était exactement ce qui se passe au Moyen-Âge, après l'apparition de la peste vers 1350-1400 par ici. Et en dessous, deux salles avec prison, oubliette au sens générique du mot, c'est-à-dire c'est un endroit où je vous mets au frais tant que vous n'avez pas décidé de changer de camp et de travailler pour moi. C'était l'objectif de ce petit stage, on va dire, parce que si je vous trucide à la fin de la journée, vous êtes mort et moi, j'ai personne pour travailler pour moi. Et donc, je préfère vous convaincre de changer de camp, ce qui se faisait très facilement. On avait à l'époque un état d'esprit mercenaire, beaucoup plus que mon drapeau, mon machin, mon truc. On aimait bien, sans doute, changer de camp. Je saisis l'opportunité. Pendant 15 jours, vous travaillez pour moi, puis après, vous partez. C'était très, très fréquent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On va à la chapelle ? Alors ici, alors voici l'ancienne chapelle, dont la plupart des châteaux, autrefois on avait une chapelle, un brave assistant du Seigneur, qui était sans doute aussi un peu séminariste, quelquefois même curé, qui avait l'avantage de savoir lire et écrire, et en gros c'est lui qui fait le secrétariat général, quoi. Et donc la chapelle existe depuis probablement les années, pareil, 1250, 1300,
comme hôtel. Là-bas, vous avez des restes d'un hôtel qui a été volé par Henri IV et le seigneur de Gourdon en mai 1580, le 30 mai 1580, prise de Cahors, avec destruction de beaucoup de choses, évidemment tout ce qui était un peu religieux, qui fait bing-bing et qui était doré, c'est-à-dire de l'or, ça leur plaisait beaucoup. Et puis, assez curieusement, ils ont dérobé un hôtel qui a été transporté par bateau jusqu'ici et qui se trouve installé là. Alors ici, on passe à l'étage avec un escalier, quelques vieilles armures et armes nécessaires à l'époque. C'est sur ces armures, alors celle-là est de la Renaissance, mais les premières, que on va trouver avec Aliénor d'Aquitaine, la première féministe au monde, qui avait un fort caractère et qui a demandé à tous les soldats qui étaient en armure de se distinguer par un blason, ce qui va donner les blasons des familles. Au départ, c'est comme un t-shirt pour le combat, c'est-à-dire que vous êtes rouge et vert, moi je suis jaune et bleu, et on sait qu'on peut se voir. Donc ça permettait de répartir la logistique au moment des croisades. Et pareil après à la Renaissance. Et en dessous des armures, on doit porter les cottes de mailles parce que l'armure, elle se plie pour permettre le mouvement des bras et des jambes. Et si je n'ai pas la côte de maille par-dessous, et bien dans l'espace que j'ai entre deux morceaux de métal sur l'armure, on va pouvoir passer une dague et me tuer quoi, directement. Et donc très souvent, au bout d'un moment, le soldat jette son armure et court en pyjama avec cette côte de maille parce que c'est plus léger. Et c'était un peu ça la rançon de la gloire. Après la bataille de Pavie, on m'a sorti 300 ou 400 soldats français qui étaient morts noyés dans la rivière du Pô en Italie, parce qu'ils nageaient, mais c'était trop lourd, quoi. Alors, voici le grand salon, qui est la pièce maîtresse du château, avec à peu près 110 mètres carrés, à l'origine comme ça 8 mètres de haut. Et vers 1800, lorsque mon ancêtre Louis Norissard de Forest va acheter le château, il se rend compte qu'il fait quand même bien froid, beaucoup de fuites, pas d'étanchéité du tout, et il va passer au-dessous de ces poutres que vous voyez aujourd'hui. Il va passer des treillis de lames de peupliers ou d'arbres, en tout cas, pour faire un coffrage. Et l'idée, c'était, comme aujourd'hui, on fait l'isolation de nos maisons. Et donc, ce plâtre s'est défait au cours de l'hiver 1973. Et lorsque j'arrive pour Pâques à l'ouverture de la saison, et ben, en ouvrant ma porte, tout est blanc, le plâtre est tombé dans tous les coins. Et je redécouvre ces poutres peintes avec des tulipes qui viennent à l'origine de Turquie et qui ont été apportées en cadeau par un Belge qui s'appelle Guylain Busbecq à Charles Quint, dans le nord de ce qu'est la Belgique et Pays-Bas aujourd'hui. Et donc c'est devenu l'emblème le plus couru, toute la France en cherche. Et voilà. Et ce sont les artistes italiens qu'on évoquait tantôt qui vont se faire un plaisir de passer chez vous, de mettre des coffrages en bois et de peindre et sculpter tout ça. Et alors, un petit peu le clou de ce plafond, c'est constitué par les dessins qui sont ici, qu'on a découverts, qui étaient donc complètement cachés. Et à notre grande surprise, vous voyez, on est sur des monuments qui décrivent la ville de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. À gauche, c'est le quartier de Galata. Ici, devant moi, au-dessus, vous avez la tour Galata, qui existe encore. On va prendre un petit café là-haut. Le Bosphore. Sainte-Sophie, dont on nous parle très régulièrement ces temps-ci, qui est donc au départ une cathédrale créée par Constantin dans les années 300-350, l'empereur romain. À droite, c'est le Sérail,
C'est là que réside le sultan, hein, avec son palais princier. Et au-dessus de cette tapisserie, la mosquée Souleymanié, qui est une des plus belles de Constantinople, très, très fine, très, très forte. Donc tout ce qui était dessiné là, il y avait 24 dessins. Certains ont été détruits par la pluie qui a enlevé le support, le mortier qui tient tout ça. Et les autres sont parvenus jusqu'à nous. Alors on a trouvé tout ça, on a cherché. Dans notre bibliothèque se trouve un livre qui s'appelle « Histoire des Turcs », dans lequel, sans doute, qui a servi d'inspiration aux artistes. En feuilletant le bouquin, ben, ils trouvent ces dessins et voilà, ça s'est mis comme ça. Alors pourquoi on parle de Turquie ici? Parce que dans les années 1536, François Ier va signer un traité qui s'appelle Traité des Capitulations avec l'empereur turc, Soliman. L'idée étant de faire, d'encercler, ou en tout cas de gêner, Charles Quint, qui a l'Espagne à l'époque, l'entièreté de l'Europe à peu près aujourd'hui, et qui sur son flanc est, côtoie l'Empire ottoman. Et de ce traité, on va créer les postes et la fonction d'ambassadeur, de représentant dans chacun des pays. On va créer la première chambre de commerce au monde, qui est celle de Marseille, en 1555, porte de l'Orient, comme on dit encore aujourd'hui. Et ce traité va durer jusqu'au traité de Lausanne, en 1923, à la fin de la guerre de 14, où on va, avec les Anglais, se partager les dépouilles de l'Empire ottoman. Parce qu'on avait découvert du pétrole, déjà, et ça a commencé à chauffer. Il y a un film qui raconte ça, qui est l'histoire de Laurence d'Arabie, c'est exactement la fin de cette période. Dans ce traité de Lausanne, la France récupère le protectorat sur la Syrie, le Liban et l'Irak, d'où nos relations privilégiées avec ces trois pays encore aujourd'hui, malgré les vicissitudes politiques et économiques et militaires qui se déroulent. Les tapisseries qui sont là sont des tapisseries flamandes, qui viennent d'Oudenarde, entre Bruxelles et Amsterdam, une jolie petite ville. La plupart des châteaux disposaient de tapisseries qui se roulaient, qui permettaient de changer un peu, comme on fait aujourd'hui dans notre appartement, dans notre maison, où on repeint, où on change les papiers peints, quoi, hein. Donc, au bout de quelques temps, on peut modifier les présentations qui sont là. Un mot sur la bibliothèque qui est ici. Voilà une série de vieux livres qui sont là. Le recensement que j'ai, on a à peu près 80 livres qui sont entre 1470 et 1700. Toute une collection avec les formats. On appelle les formats codex en imprimerie, qui sont là pour illustrer et décorer. Mais l'idée, c'était surtout de contenir tous ces livres. On a des livres en français, bien sûr, beaucoup en latin, en grec, quelques-uns en allemand, en italien, en espagnol. C'était le signe d'une famille de Gourdon très, très ouverte, au cœur de la Renaissance. Erasmus aux Pays-Bas qui va nous inciter à réfléchir par nous-mêmes et arrêter de répéter ce qu'on faisait au Moyen-Âge, on appelait ça la scolastique, où on apprend par cœur des textes ou des idées. C'est papa, maman ou monsieur le curé qui vont nous dire ce qu'il faut penser. Eh bien Erasmus vous reprend et vous dit, vous allez lire et j'aimerais vous entendre et c'est vous qui allez prendre l'opération en main. En dessous, vous avez, pour montrer la différence, ça c'est un manuscrit de 1390 qui raconte l'histoire de France. Eh bien, il est écrit très joliment à la plume, c'est très sympathique, et il se trouve que c'est le seul, sans doute le seul au monde, parce que si vous voulez venir et s'il vous intéresse, il va falloir vous asseoir et le copier. Et ça prend un temps fou, y compris à l'époque. Donc voilà la version, on va dire, antérieure
à l'imprimerie et après la bibliothèque. On peut passer dans la salle de garde. Alors ici, je voulais vous montrer cet appareil qui est d'époque. Il a été utilisé par Henri IV, le seigneur de Gourdon, en 1580, la dernière semaine de mai, et le 30 mai, Gourdon et une centaine d'hommes d'armes vont attaquer la ville de Cahors avant de saccager la cathédrale. Et alors, l'engin qui est là s'appelle un pétard, et il a pour objectif de faire exploser, casser les portes et les petits murs, mais surtout les portes et les ponts-levis des châteaux ou des villes, pour pouvoir y pénétrer. Et ça fonctionne simplement, il n'y a pas d'obus, il n'y a pas de boulet à l'intérieur, nous avons simplement une déflagration qui est apportée par la mèche qu'on allume, et à l'intérieur, tout est chargé uniquement de poudre à canon, c'est du salpêtre, nitrate de potassium. Quand vous allumez la mèche, vers 60 degrés, ça pète et ça fait ce que les artilleurs appellent le flash. Hein. Et donc, c'est ce souffle qui détruit. Et avant, on avait des canons un peu plus classiques, avec chaque fois un boulet ou une balle qui permettait de tirer, mais c'est beaucoup moins efficace. On va utiliser tout ça ensuite. Lorsqu'on va continuer sur tous les champs de bataille, ils étaient apparus probablement pendant les guerres d'Italie déjà pour fonctionner. On regarde. Voilà, toujours notre position sur la rivière, vous voyez, très, très belle et surtout proche et facile d'accès. Il y avait des crues, mais pas énormément, parce que la source est à Mont-Lozère et un affluent, la Truyère, sur le Cantal. On est à vers 1800 mètres et donc l'eau a le temps de se calmer un peu. Mais dans des hivers un peu longs, c'était quand même assez compliqué et on va dire même difficile. Et alors d'ici, en temps normal, je vois en aval la ville de Saint-Cyr-la-Popie, avec le village pardon, de Saint-Cyr-la-Popie, avec son château médiéval. Et puis de l'autre côté, en amont, jusqu'à Cajard, deux ou trois châteaux qui sont autour. Un petit détail sur la plus belle cheminée du château, cheminée Renaissance. Vous voyez le détail des sculptures, des colonnes, des feuilles d'acanthe partout. Et tout ça nous revient d'Italie, évidemment, et de la diffusion des livres d'histoire de l'art qui fonctionnent et qui circulent à partir de Gutenberg. On va aller voir un petit cabinet d'alchimie maintenant, qui est aussi un témoignage d'activité intellectuelle et culturelle assez forte, parce qu'il faut, savoir l'utiliser. Alors voilà cette salle qui est assez rare, hein, en France, il n'y en a pas beaucoup. Quelques châteaux ont cette thématique. Et vous avez ici, au-dessus de la porte, enfin d'abord en général, la thématique qui est là, c'est la transcription en images du livre de Clément Marot qui s'appelle « Les métamorphoses d'Ovide » dont il a fait en 1530 la première édition en français. Donc on peut dire que vers 1550-60, Gourdon possède ce bouquin et va s'en servir pour créer un petit cabinet scientifique, intellectuel, dans le but d'échanger avec des amis, des spécialistes qui auraient pu voyager, des universitaires. On avait tout un marché
des professeurs d'université. Cahors était une grande université. Il y a des lettres où ils cherchent des profs de maths à Heidelberg, Oxford, Salamanque. Tout ça était, il y avait un circuit intellectuel qui était fort. Et sans doute que quelques-uns de ces grands-parents sont venus ici. Alors on va faire deux, trois dessins. Regardez, au-dessus de la porte, c'est la chute de Phaéton qui est à gauche, là-haut. Et c'est le fils d'Apollo, Hélios pour les Grecs, et qui vient voir son père en lui disant « faudrait que tu dégages un peu parce que tu as fortement vieilli ». Et donc son père lui dit qu'il ne pourra pas être un dieu parce que sa mère, Madame Climène, est de race humaine. Donc en gros c'est un bâtard, il s'échappe quand même, va piquer le chariot de son père sur lequel on transportait le soleil de l'est à l'ouest tous les jours. Et puis, il va s'emballer, il n'arrive pas à contrôler l'équipage. Et vous avez en haut, là-haut, Zeus, Jupiter, le gars qui sait tout, qui fait tout, qui va le foudroyer parce qu'il y avait une immense panique sur Terre, trop de vent, Éole se met à crier, trop de vagues sur la mer parce qu'il y a trop de vent, Neptune se met à crier, etc. etc. Donc voilà, la symbolique qui est là-dessus, c'est d'expliquer et de dire est-ce que, par hasard, de temps en temps, la race humaine n'aurait pas tendance à se prendre pour des dieux. Ovide, je vous rappelle, il est mort en 17, exactement il y a 2000 ans. Quand il nous dit ça, et que vous regardez vos instruments électroniques le matin en vous levant, vous voyez qu'il y a aussi pas mal de personnages aujourd'hui qui se prennent pour des dieux. Et ici, de ce côté-là, vous avez un petit foyer, une cheminée, hein, qui servait à travailler la transmutation des métaux. C'est l'alchimie au sens général, d'un mot grec, arabe, pardon, qui nous vient de... On a trouvé beaucoup de récits dans les échanges entre la bibliothèque d'Alexandrie, celle de Florence, Venise, il y avait des marchés relativement forts. Et donc, les Arabes avaient découvert en vivant dans le désert, que lorsqu'ils chauffaient pour leur barbecue, eh bien, de temps en temps, on arrivait à avoir du sable, qui est du silicium, qui, avec la chaleur, se mettait à couler, se transformait en verre. Et c'est le point de départ de l'alchimie. Donc on retrouve un peu tous ces écrits, on essaye d'améliorer, et autant avec Phaéton, on était sur la gouvernance du monde par l'esprit, là, on est vers la gouvernance du monde par l'argent. En gros, le premier qui découvrira les moyens de fabriquer industriellement de l'or, ben, il sera riche comme Crésus, disait-on. Et donc, malheureusement, vous savez que ça ne marche pas, mais ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, de dissertations et aussi d'explosions. Il y avait des villes, notamment à Bourges, c'est arrivé plusieurs fois à Bourges, explosion parce que les burettes n'étaient pas tout à fait calibrées comme il fallait, quoi. Donc c'est des moments assez forts de recherche et en même temps recherche à mon profit, quoi, profit de Gourdon qui était là. Donc cette salle, vous voyez, qui n'est pas très très grande, quand mon père était gosse, il y a 100 ans exactement, on vient de fêter son anniversaire, c'était une salle de bain. Alors, on se baignait en dessous des peintures de ces métamorphoses de vie. Là, vous avez la guerre de Troie, la ville en flamme. On pose des questions là, un peu géopolitiques. Est-ce que la guerre est légitime? C'est ce qu'est en train de dire Ulysse aux élus là, et aux militaires, les trois militaires de dos et les trois élus de face. Quel est l'objet de cette guerre qui fait tant de morts? Arrêtez la guerre. En 1968, vous avez le même phénomène aux États-Unis pour stopper la guerre au Vietnam. C'est une révolte populaire en disant « ça suffit ». Voilà, on aura accès à une partie qu'on ne visite pas parce que c'est un petit peu dangereux sous les toits. Mais c'est de là qu'on a la meilleure vue. Regardez le cachet, le caractère renaissance de ce château. Donc le 16e siècle est tout empreint de l'appropriation de l'architecture italienne qui est allée également s'inspirer chez les Grecs avec les petites flamèches qu'on voit partout. Vous avez les fenêtres à clochetons qui ont été
cassé symboliquement parce qu'il y a des bustes dans les triangles, vous voyez les triangles au-dessus de chaque fenêtre, qui représentaient sans doute un gène pour les révolutionnaires, c'est-à-dire que ça représentait les personnages clés de ce château. Donc il y a eu destruction. Et derrière, vous voyez l'enfilade des clochetons et des toits, qui sont donc tous construits, d'après nos architectes des bâtiments de France, dans la période 1550-1600, qui correspond à la montée de la Renaissance chez nous, bien occupée aussi par ailleurs après l'architecture, avec les guerres de religion qui vont démarrer en 1560 à peu près. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur la plus haute terrasse du château, à pic au-dessus du Lot, à peu près 80 mètres. Et vous allez voir la fonction militaire. Aujourd'hui, on apprécie le coup d'œil, surtout au soleil couchant, comme aujourd'hui, dans la journée. Vous avez toute la plaine devant vous, avec des copains en face, des châteaux tous les 5-10 km qui pouvaient communiquer entre eux. Et de temps en temps, il y avait même des épousailles entre les seigneurs de Gourdon ici et ceux de Cardaillac à Saint-Cyr-la-Popie, à 5 km. Et le Lot est la deuxième rivière la plus longue de France, et c'est par cette rivière que va descendre Pépin le Bref dans les années 760 pour poursuivre le duc d'Aquitaine qui va capturer ici à cette rivière.